comment ils vont? Sorted. Parce que c'est lui. Ça, ça casse les couilles, ce site de mort. Attends. Crafted. Medic. Excusez-moi, je cherche comment accéder à l'album de aux albums de quelqu'un. Donc, hop, sous-titres, donner en cadeau, album numéro, voir les autres albums. Y a pas, je vous jure, y a pas. C'est relou. Sinon, ça vous dit on joue. Comment ils vont? On va rester là. On va juste mettre Salted. Salted Artist. Comment ils vont? Eh? On joue? On jouerait. J'ai un petit peu avancé, comme vous le savez, hors caméra. J'espère que vous allez bien pour ce 6e épisode Assassin's Creed. Petit cadeau pour vous. C'est un petit. Et comme vous l'avez vu, je suis allé parti prendre la tour et découvrir la ville. Boss Maxima, s'il vous plaît. La ville de machin. J'ai un petit peu avancé, j'ai tué deux mercenaires, je crois. Voilà, j'ai tué deux petits mercenaires. J'ai avancé en prenant les tours, donc celle-ci et celle-ci. Donc les tours de Phoekis. Locris et Malice, Malice il n'y en avait pas, le point de synchronisation, je dis les tours radio, quoi. Il n'y en avait pas, mais en tout cas, nous on a beaucoup de choses à faire ici, nombre de points d'interrogation et de trucs à prendre comme celui-ci, la demeure du dirigeant. On n'a pas encore le niveau, donc je vous propose qu'on aille faire ce petit point d'interrogation en allant tuer, qui n'est pas notre niveau, donc non. Ah ouais, je sais pas pourquoi, mais j'ai deux chasseurs de primes au track. Et je vous propose qu'on aille là-bas. Qu'est-ce que c'est que sur la tête j'ai là? C'est pas grave, je suis bien équipé. Il y a un connard là-bas. Ça vous dit, on le tente? J'ai des flèches? J'ai pas de flèches. Je sais pas comment me procurer des flèches, je vous jure. Tu peux me laisser. Donc j'ai amélioré, j'ai fait des trucs. Tuer des galépés, c'est fait. Moi je vous dis on fera plus tard. Bon hein, on s'en va. Alors niveau son, je regarderai prochaine BOD si le son est bien. J'espère. Dans la théorie oui, dans la pratique. Dans la pratique je me fais repérer par la moitié de la population hein, ou... Ok, on a un coffre. Et un méchant. Ok, faudrait que je m'occupe de lui. Camp militaire. Bon, qu'est-ce que tu m'indiques à l'autre bout du monde là? Laisse-moi tranquille. Voilà. Ok, on sait où est le coffre. C'est un petit camp militaire de niveau 1. Brûlé ravitaillement de guerre. Pourvu que personne ne me remarque. Personne ne me remarque, faudrait que je monte là-haut. Oh, mec. Et sourd, man. Quand même pas mal d'XP. Hein. Ah, des flèches! Il y a encore plus de flèches ici. Oh ouais. Et du coup, je suis passé aux 11 flèches. Alors, est-ce que j'ai tout le monde en fait en visu? J'ai un petit libéré les prisonniers. Qu'est-ce qu'il fait? Petit connard. Ok. Wesh. Voilà. Chier, où est-ce qu'il va?
Mais tu m'as vu. Attends, on se fait un petit truc discrétion. Voilà, puis j'ai plus qu'à te envers toi. Et bah voilà, c'était facile en fait. Non, j'ai contré, tu te fous de ma gueule. Voilà, que ça commence pas. Allez, sors de là. Oh merde, il allait libérer. Et du coup, comme il était refait, étant donné qu'on a voulu ça là-bas. Plus qu'à libérer le prisonnier, bah c'est fait. C'est good. C'est good. Ah, et du coup, on a plein de petits trucs à faire. Alors ça, c'est... C'est anti 15-19, ça sera plus tard. Donc ça, c'est le machin de prime. Si on tue machin, ça fera ça. On a un petit point d'interrogation et surtout un objectif, mais ça sera pour plus tard. On va aller faire ce pour là-bas. Ah oui, c'est relou ça. C'est relou. Eh, hey, vous avez vu ma part? Attendez. Matez-moi ça. Alors, beau gosse. Excusez-moi. Salut, comment il va? Ne traînons pas. Je ne serai payé qu'après t'avoir tué. S'il y a moyen de faire ça. Qu'est-ce que tu viens me casser les couilles, toi? T'es sérieux? Mais le... Il y a un tigre qui m'attaque. Ok, il y a moyen de se le faire. Hermione, elle a pas de vif. Y'a pas moyen de se le faire. Cheval, 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 cheval. Cheval. Des bisous. Allez, allez. Ouais, mais si je meurs, là, je vais devoir me retaper le camp. J'ai pas très envie. Vous voyez? Vous voyez? Donc, on va y aller. On dit des bisous. On dit des bisous. T'as le cheval, il est long comme un cul. C'est horrible, je vous jure. Alors, où est-ce que c'est le machin? C'est-à-dire d'être dans la grotte, donc on va continuer par là. C'est ici. Excuse-moi le cheval. Carrousse indisponible, j'ai bien vu. Crotte du champ de bataille. Bonjour, je suis un ami de la famille. Trouver et piller le trésor et le papyrus caché. Ok. Puis, ah, il y a un ostracon. Ostracon, je sais pas. Par contre, on voit que dalle sous l'eau. Ah, j'aurais cru. Ok. Hop là. Oh. Mais oh. Connard. Gauche. Non, droite. Allez, moi je suis de droite. C'est parti. Ok, bonjour. Et bah c'était gauche. Attendez. Non, sérieux là? Icarus indisponible. Non mais y a rien à gauche là. Je suis sûr derrière ça y a quelque chose. Pas du tout. Par contre ça fait de la petite lumière. On va dire pourquoi pas. Ah bah non. Bon bah à gauche. Faut toujours aller à gauche. On m'a dit. Oui mais bon à droite on est sûr de où est-ce qu'on va quoi. Bon. C'est gauche a l'air d'être plutôt renouveau mais... on s'est perdu. Ok, c'est trop dangereux d'abord. Alors, j'attends la fin de la guerre. Les seules fois où je quitte cette grotte, c'est pour remplir ma coupe. En sortant, je vais au nord-ouest du camp de bataille de la forêt. Tu me trouveras à l'hôtel des offrandes au pied. En sortant, je vais au nord-ouest du camp du champ de bataille de la forêt occupé de Tripodisco. Champ de bataille occupé de la forêt de Tripodisco. Donc, nord-ouest de ce camp. Faut occuper Tripodisco. Le camp, c'est. Il y a un camp, il y a un champ de bataille ici, il faut aller au nord-ouest. Sur un hôtel d'offrande, ok.
En vrai, je pense que je vais re-TP oiseau pour partir par là-bas. Allez, c'est parti. C'est y part, on peut même faire le camp violet. On va y aller, on va le tenter. Marcos de Kefalonia. Occhios des concurrents olympiques. Dépensez votre horrible claque à l'Occhios des concurrents olympiques pour vous procurer des cadeaux olympiques sur les objets de la semaine de Sargon. Si quelqu'un habitait. Ou comment y vont sinon? 637. C'est bien ce que je me dis, il est où mon follower? Copier. Coller. Masquer, groupe, transformer. Adapter à l'écran. Ok, il est là. Et bah ouais, je vous avais perdu. Attention. Parce qu'il y a un truc, le combat lequel est là. C'est pas mal ici, voilà. On va supprimer lui. Ok, et on va essayer de le mettre pas trop, voilà. En bêtis, par ici. Ah, c'est pas mal, là. C'est pas trop gênant. Vous voyez le petit point, 0 sur 700. Ok. C'est pour initialiser ma scène que j'utilise à Denis. Ok, on a du coup un camp plus un dirigeant. Le capitaine voulait effectivement trouver l'ostragon et piller le trésor. Je vais appeler ça l'ostragon. Ou les ostrogos, je sais pas, je vais trouver. Donc il est niveau 10 le machin. Il va être dur à tuer, mais faisable. Et ben ça fait des choses. Pour un si petit endroit. La garde sera vigilante ici. Je vais t'enterrer. Oh le pot. Ok, on s'en est bien sorti. Pas du tout. Mais ok. Puis le trésor, on en a eu un. Attendez, ça me manque des trucs ici. Bah là. Merci pour le deuxième coffre. En fait, c'est les gars au-dessus, ça va être trop lourd. Et ils sont tous niveau 40. Mais non. Me fais pas laguer. Enfin, ils ont trop de vie, ils ont trop de vie. Je vous remercie de leur découvert. Ça fait du monde, ça fait du monde. Puis il y a un mercenaire là-bas. Technique. Jouer. Jouer. Ok, là-haut je suis bien. Mais non. Faut que je les fasse tomber. Il tombe pas aussi là. Ah bah c'est bon. Ah fait chier. Bah ouais mais je suis die. Bon, on va recommencer. Excusez-moi. My bad, j'ai mal joué.
Bah c'est pas mon niveau, je pense que je vais aller faire d'autres points d'interrogation pour l'instant. Heureusement qu'on a eu la petite TP. Putain, ces sons ils durent 3-4 minutes maintenant, ils sont salted. Indécis, effectue une sauvegarde rapide en plus de votre partie, on découvre quelle est la décision qui vous convient le plus. Ah ouais. Ah ouais, bah tiens, c'est pas mal ça. La Ligue de Délos a été formée en 478 après Jésus-Christ. Haïs. Bon, mesdames et messieurs, ce sera quand on sera niveau 10. Petit point d'interrogation par là. Par ici. On sera niveau 10 bientôt, vous inquiétez pas. Et on tuera Arcas le Redoutable. Et on trouvera l'obstragon caché pour la ref. C'est parti. Donc, petit point d'interrogation par ici, le tombeau de machin, trouver la stèle ancienne. On a un coffre, on trouvera la stèle ancienne, comme dans Origins. Et ça nous donne un point de compétence. Alors on vole pas, c'est un tombeau. C'était pas ça la stèle ancienne. Alors, la stèle ancienne. Le lieu il est petit, hein, monsieur. Là, je joue pas spécialement de stèle, l'inancienneté. Est-ce qu'on a des trucs? Ouais, ouais, voilà. C'est bien ce que je me disais. Ah, je suis pas con, bah oui, je suis pas con. Voilà. Ok. Non, c'est bon, ok. Ouais, je connais pas l'endroit. Parce que j'ai compris, il y avait des pièges dans celui-là maintenant. Ok. On peut continuer. C'est bien qu'on ait feu illimité, ça, c'est trop bien. Un truc par là. Il y a surtout rien à fouiller, quoi. On se fait chier dans ton endroit. Il y a un couloir à gauche, fermé. Ah bah c'est ça. Et c'est comme dans Origins. Auto. Ok, pardon. Il est autant pour moi, mais oui. Tu... Tu faisais quoi? Et du coup, tombeau. C'est fait. Avec un méga coffre. Ok, rareté des gravures et tout, on gagne des nouvelles gravures. Bon, y'a rien par là. Bon bah c'est fouillé. Allez, on s'en va. Bon non, c'était bien, c'était rigolo. C'était bien marrant. Attendez, parce que lui, il faut que je le descende ici. Hop, réinitialisation de scène, et puis voilà. On a d'autres points. Alors, c'était pas là. Ah. Ah, du coup, si, ça nous fait un nouveau point d'aptitude. On va se mettre un petit truc dans l'assassin, on a quoi? Bah oui, mais c'est ça que je veux. Putain, il fallait l'acquérir, ça. Oh. Ah bah voilà. Ah, c'est petit, quand même. Regardez, là, on apprend qu'il y a un truc en dessous, là. À quoi ça sert, mais on apprend un truc quoi. On a la stèle ancienne donc on s'en fout, mais on apprend des trucs. Pas volé. Ok, nouveau point, on a 65 mètres par là. Bonjour. Temple. Arrêtez avec vos machins. On sait où il y a le boss, on sait où il y a le coffre. On se met très très vigilant. Ouh. Ah oui, il y en avait un là. Comment il va?
Toi, je t'ai pas vu, toi. Séquence discrète. Moi, c'est pas mal en XP, on se met bien en force. C'est mieux que dans l'autre jeu. Putain, si je savais su que je te one-shotais pas, mec, crois-tu que j'aurais fait ça? J'ai déjà plus de flèches. Ok, attendez, je récupère les flèches ici. Merci. Ok. Ça marche pas quand il fait les coups rouges. Putain, je vais vraiment mourir encore une fois. C'est good, je vais l'avoir. Mais ouais, t'as un niveau de plus que moi et je te one-shot pas, ça c'est horrible ça. Wesh. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est ma faute. Méga ris et méga chaud. LOL. Regarde, on doit dormir, de manger, de se réunir, c'est l'occasion de se présenter, tirer sur l'avantage. Okay. Déjà, je t'avais oublié toi. Toi. Ok, maintenant qu'on sait qu'on one-shot pas le chef. Lui, c'est vrai qu'il est pas passé loin. Ça donne quoi, toi, si je te fais une attaque derrière? Si tu meurs, putain. Ah bon, enfin. Je sens que je le one-shot pas si je fais ça. Je sais pas. Mais c'est pas mon niveau, c'est ça le truc chiant. Wesh! Comment il va? Attends. Phobios le met niveau 6! Oh, t'es pas mort. Ok, t'es mis live. Ok, t'es midlife. Non, mais j'ai paré. Allô? Ok. Oh, putain, mais c'est vrai que ça, c'est des coups. Et faut y boss. Tu vas crever, tu vas die, tu vas die. Voilà! Pas besoin de confirmer la mort, non. Et là, putain, mais lui est trop dur. Ok, on va se reculer, comme ça on va le faire en arrière. Non, je me suis trompé de côté. Trop le seum. Et ben voilà. Attendez. Ah ouais, on les a tous décimés en fait, machin là. Ah, du coup, c'était pas lui le chef du lieu? Ah, mais j'ai déjà tué le capitaine du lieu. Putain, vraiment, hein, c'était vraiment des mercenaires. Bah merci, moi je me tire. Mais qu'est-ce que les couilles. Par contre, j'aimerais bien aller le looter de machin.
Allez, on va le looter. Merci. Des dagues, des draches, mais des machins. Ok, on a un autre point, 110 mètres par là. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? C'est ça? Eh bien, ça fait du peuple. Eh bien, on n'a pas beaucoup avancé en 25 minutes, c'est ça que vous allez dire? Putain, ouais, c'est ce que vous dites. Pas grave. On va continuer. Tu. Libère les prisonniers, trouve l'ancienne tablette, pille les trésors. Oh là 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 là. Ok, c'était là. Ok. J'ai l'air d'avoir tous les méchants, je suis pas sûr. Petite roulade de la mort. Allez, enchaînement de meurtre. Allez, va-t'en. Et bah de rien, mon ami. Ah, t'as accroché. Tu vas où? Tu vas où? Merci. Ok, bah c'est bon, on a tout, on a libéré les prisonniers, tué le capitaine, pillé le trésor, et ça manque plus que ça. Qui est l'ancienne tablette. Interagir, c'est plus 4 tablettes anciennes. Et bah voilà. Un lieu exploré, bah merci, merci. Ah, c'est vrai que j'étais passé par là aussi. Ok, on a plus de points d'interrogation par derrière. Donc faut redescendre ici. Et peut-être le passage niveau 9. Non, on gagne pas beaucoup d'XP aujourd'hui. Mais on avance petit à petit. On a pris le temps, j'avoue. Allez, on redescend normalement. Je pense qu'on peut lâcher là. Il n'y a pas de touche pour lâcher et ça c'est le plus horrible. C'est vraiment horrible. On va accepter toutes les quêtes qu'on a à notre disposition ici. Sanctuaire d'Athéna, c'est fait, ne t'inquiète pas. On va tout prendre. Accepter. On verra plus tard. Plusieurs quêtes acceptées. J'ai vu. J'ai vu. On a l'air d'avoir du budget à faire sur Megaris. Donc on verra ça plus tard. On va s'occuper de finir ces petits points d'interrogation pour aller après tuer tous les gars en violet. Enfin tous les trucs violets à faire aussi. Bon j'avais pas tout compris comment ça marchait ça, mais faut réduire l'influence de l'endroit pour accéder à un champ de bataille un petit peu plus propre que des gars tous niveau 40. C'est ce que j'ai compris. Voilà, bonjour. Non, non, non. C'est tout. C'est quoi le truc à faire sur le lieu? Voilà, bon bah voilà. Petite maison à 120 mètres par ici. Le petit point d'interrogation à 100 machin mètres par ici. Ok, on va faire la maison qui est juste là. Il a l'air d'être un coin un petit peu habité. Le capitaine, trouver l'autre dragon magique. Alors, j'étais pas à portée. On n'y est pas exactement, je suppose. Hop. Qu'est-ce qu'il y a plus haut? Qu'est-ce qu'il y a plus bas? Arrêtez de tout m'indiquer, les gars. Mais ça change pas qu'ici on n'a pas l'autre dragon magique. Et par ma supposition, ça peut être lui. Putain, c'est mal fait ça encore. C'est... Non, c'est pas mal fait, mais c'est relou pour l'instant. Quoi, t'es sérieux? Je
pas intérêt à ce qu'on me remarque. Qu'est-ce qu'il cherche, lui? Quoi? Bah si, en fait. Mais t'es relou, quoi. J'étais... J'étais en train de te tuer dans ton sommeil. Quoi? Oh là, qu'est-ce que pour les couilles. Puis il y a le gars avec ses fléchettes de mort. Oh là là. Ouh. On va passer loin. Moins un. Ok. Qu'est-ce que tu fais avec du recul? Nice. Moins deux. Oh, je casse les couilles, ça. Je tape plus en même temps. Ok, allez, dégage, connard. Allez. Fini les conneries. Fini les bêtises. Ok, elle s'arrête, lui, depuis son sort. Sandales de brigand. Bah ouais, mais j'ai pas le niveau. Lorsque tous les navires se ressemblent, il est difficile de se rappeler où on est amarré. Rejoins le rivage sur la forêt occupée de Tripodisco et cherche un navire gardé par un chien. Tu le trouveras à l'endroit marqué d'un X. Navire. Navire marqué par un chien. Et c'est quoi le port de Tripodios Tripodisco. Je pense pas que ça soit un gros navire et je pense pas que ça soit un vrai chien. Ok, on a fait le camp, on a fait le machin, ici il y a une quête, on va faire ce point d'interrogation tout droit. C'est bizarre quand même, un navire marqué par un chien. Je sais pas si vous avez la ref, mais moi j'ai pas la ref. Toi aussi t'es niveau 6? Comment ça, ils sont deux? Il y a un niveau 6 et un niveau 10, tu te fous de ma gueule. Ça, c'est fou, ça. Oh, bah le chien, il brûle. Mais comment ça... Où est-ce qu'il est? Ah, mais je retue des niveaux 6 là. Alors, c'est là où faut se dire, oui, on s'en va. On s'en va en esquivant les flèches. Comment ils vont? Eh ben, ils vont prendre de la pub. Allez, des bisous. Non, mais c'est relou, quoi. Tu peux pas fuir, les gars, comme ça. Et sûrement que la sauvegarde rapide, elle m'a évité la maison, c'est ça? Alors, j'espère pas. Ah, je reprends juste là. Ok, donc on peut aller tout droit. Pour l'instant, je vais payer mes prix. Ouais, non. Non, parce que ça me gêne pas en soi. C'est juste que c'est pas mon niveau. Puis je trouvais de feu. Non, il est ici. je suis là. Ok, on va tout droit. On va faire ce point, puis après on va aller faire l'ostracon de la plage. C'est peut-être un éclaireur de Stentor. Il a l'air d'avoir des ennuis. Je m'en fous pour l'instant. Je sais que toi t'aimes bien le mode explo, mais pas moi. Le papier de trésor en vue là. Alors qu'il y a une tablette ancienne et un pièce d'or.
Trésor à piller. Hop, et on le réactive des fois parce que comme ça, ça nous montre tout. Quoi, je peux le faire qu'une fois? Ça, c'est salaud ça. Oh, je m'étais mis en mode sécurité. Oh, bah j'ai lâché le mode sécurité, mais quand tu m'attaques. Alors, ça, c'est salaud. Ok, tu meurs. Non, non, non. C'est bon, j'ai failli perdre ma clé. Du coup, il y a notre science humaine qui est revenue. Il va falloir passer le prochain échelon. Il est où le coffre? Non, toi t'as un pote. J'ai pas looté. Et le coffre était là. Et ça fait une zone de fête. Voilà. Ok. Après. L'ostricon de la plage. On va le relire ensemble. Non, c'est pas tarif réduit, c'est chien attaqué. Attaché, pardon. Lorsque tous les navires se ressemblent, il est difficile de se rappeler où on est amarré. Rejoins le rivage, il va falloir occuper de triptodicos et recherche un navire gardé par un chien, tu le trouveras à l'endroit marqué par un X. Par contre, faut m'expliquer c'est quoi. Ce que j'ai sur la gueule. Et ben c'est pas mal en fait. Je suis pas beau mais c'est pas mal. Sérieux, j'ai tué toute ta famille, tu me casses les couilles. Ah oui, tu es des animaux, c'est fait. Ok, parce que là on a un camp et ce camp a lieu. Faudrait occuper de trop là où tous les navires se ressemblent. Là, il y a tous les navires qui se ressemblent. Il avait dit à l'est ou quelque chose, machin. Gardé par un chien, ok. Bientôt passer à Yonah aussi. Là où tous les navires se ressemblent, c'est là où il, tu vois les 4-5 trirèmes. Pas de octarèmes, c'est les trirèmes. C'est bon, j'ai la diff. Non, mais c'est des potes. Salut. Donc là, tous les bateaux se ressemblent. Il y en a un qui est gardé par un chien. On entend le chien. Vous l'entendez le chien? Il est là. Donc le chien est là. Et ben voilà. Alors, ta croix, putain, c'est une croix en os. Petit pis sur le bateau. Ok, c'est good. Bon, on l'entendait le chien. Sûrement ça qui avait la diff. Il y a un nouveau point de surgasson ici. Hop. Attends, ça c'est juste la ville. C'est Parnaos. Et on continue. Bon bah c'est fait. Ok. Putain, il était rapide lui en plus. Ok. Pas vu le capitaine par contre. Mais putain, je pars, ça ou pas, j'en ai putain de cache. Afficher les lieux. Piller le trésor. Merci. C'est trop dangereux dehors. Ah non, c'était un Ostraka. Quoi? Ah, c'était lui, Ostraka de tout à l'heure.
Ah bah c'était ça. Easy. Je me suis dit putain c'était pas un ostracon, un ostraca. Bon, à part ce point tout à gauche, il nous reste plus que tes quêtes. Et on va commencer. Alors. Univers et personnages. Naval, putain, il y a tellement de choses. Prime. Contrat, putain. Écoutez, on va aller là. On va aller là en passant par ce petit connard d'Ostrocu Toulobani. D'Ostroconard. Et c'est parti. Puis on s'arrêtera devant. On prend la quête. On va essayer de le mettre mid life. Tu peux pas passer, putain. Non mais c'est bon, arrête. Arrête tes conneries. C'est la musique d'Interstellar ça. Non mais vous êtes des potes vous. Ouais. Je veux juste tuer Ostrocu Toulobani. Voilà, tiens. Volons sur le passage. T'es un ouf. T'es remis de la vie. Voilà, t'as perdu toute ta vie que t'avais remis. Voilà, je voulais juste tuer Ostrocu Toulobani, je l'ai tué. Voilà, ça fait des bisous. Mais vous êtes des soldats de mon papa, je vais pas tuer les soldats de mon papa. À part s'ils veulent tous ma mort. Mais putain, juste parce que j'ai tué un gars chez eux, quoi. Par contre, Orios. Par contre, on se met bien. Bon, allez, des bisous. Non, on récolte les autres. Des bisous, YouTube. On se retrouve au prochain épisode.